Lundi 15 avril 2019, 18h18. Plusieurs alarmes retentissent au sein de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le prêtre, les communiants et les employés se dirigent vers la sortie sans vraiment croire à cette alerte. 18h50, de la fumée s'échappe de la toiture du monument. Le filet de fumée s'épaissit, il devient gris. Une odeur de brûlé se répand sur l'île de la Cité. Les premières sirènes de secours retentissent. Les pompiers du 5e arrondissement arrivent. À la radio, le ton est grave. On demande immédiatement des renforts très importants. Les premiers camions-pompiers s'orientent vers les tours. On installe au dernier étage les lances à eau. Au total, 600 pompiers sont mobilisés et 18 lances sont déployées. À 19h50, la toiture est perdue. Il faut désormais gagner la bataille des beffrois. La flèche de Notre-Dame s'effondre sous le regard ébahi des badauds. Le vicaire général de l'archidiocèse de Paris dira plus tard « J'ai l'impression d'être devant un bombardement ». 22h. L'incendie prit une autre ampleur. Il s'agit de sauver les trésors de la cathédrale avant qu'il ne soit trop tard. La situation devint critique. La température dépasse les 800 degrés et c'est désormais le toit de la nef qui menace de s'effondrer. Du plomb en fusion s'abat à l'intérieur de la cathédrale. Toute intervention humaine est devenue impossible. Les pompiers évacuent la cathédrale. Mais un robot, seul, reste sur place à braver les flammes. Ce robot, il s'appelle Colossus. Avec ses 500 kilos et sa résistance à cette atmosphère insoutenable, il a pour mission d'éteindre le feu et de faire baisser la température à l'intérieur de la cathédrale. Ce robot est équipé d'un canon à eau puissant, capable de tracter des tuyaux équivalent à la force de 15 sapeurs-pompiers. Et ce robot est téléguidé à distance grâce à ses multiples caméras qui détectent les points chauds. Le robot devient alors un outil au service de l'homme dans un environnement à risque. Et il faudra attendre 3 h du matin pour que l'incendie soit partiellement maîtrisé par les pompiers. Le robot, lui, est intervenu pendant près de 10 h dans cette opération. Cet événement a confirmé que le robot Colossus n'avait pas pour seul atout d'éloigner l'homme du risque, mais également d'éviter des catastrophes humaines, environnementales, destructrices, grâce à son action précise au plus près des dangers. Car Colossus n'en était pas à son coup d'essai. Il l'avait utilisé de nombreuses fois auparavant, comme en janvier 2018, lors d'un feu de parking souterrain géant à Choisy-le-Roi. Il avait été mobilisé aux côtés de 120 pompiers pendant près de 8 h. Et il était ressorti du brasier avec encore 30% de batterie. Une telle situation risque d'ailleurs de se démultiplier dans les années à venir, avec la circulation de plus en plus de voitures électriques dotées de batteries potentiellement justement dangereuses. Aussi, en juin 2018, lors d'une prise d'otage, il était intervenu aux côtés des équipes de la BRI et des pompiers de Paris. Le forcené avait aspergé ses otages de carburant. Bref, ces usages sont multiples. Pourtant, en 2017, les premières fois où l'on a présenté le robot Colossus, il a parfois fallu se battre pour susciter l'attention de décideurs qui n'avaient jamais rencontré de robots utiles et fiables dans leur domaine. Et l'événement de Notre-Dame n'a finalement que révélé au monde entier l'intérêt de la robotique. Cette année-là, le Colossus a remporté le prix de la technologie d'innovation aux États-Unis, un pays pourtant pas en reste dans ce domaine. Et si le Colossus a été un outil important dans la préservation de notre patrimoine national, c'est également une réalisation française. La France a démontré au monde entier qu'elle était capable de sauver son patrimoine et sa mémoire grâce à sa technologie. Le futur a tendu la main au passé. Le défi du XXIe siècle qu'est la robotique est venu en aide au défi du XIIe siècle que représentait la construction d'un tel monument en France. Car ce robot, il a été conçu et fabriqué à La Rochelle. Il est le premier-né d'un projet entrepreneurial fou lancé en 2016, un projet tant innovant qu'inspirant auquel nous croyons particulièrement. Il réunit un tandem de choc. Jean-Jacques, notre Tony Stark de la robotique, auquel vous ajoutez Cyril, notre Captain America, ancien des forces spéciales de l'armée de terre. Leur but, apporter des robots terrestres fiables et utiles, capables d'appuyer l'homme qui prend quotidiennement des risques. L'ambition est grande, le terrain est vierge. Personne ne s'était risqué dans ces environnements, jugés bien trop complexes, avec la diversité des environnements, des obstacles existants. Et conscients des enjeux d'innovation, ces deux personnalités décident pourtant de saisir cette opportunité. L'initiative va à contre-courant de ce qu'on voyait jusqu'ici incarné dans la robotique, avec des robots de logistique, des robots automates, dont on craignait qu'ils ne prennent nos emplois. Il s'agit ici de donner du sens, de l'utilité sociale, un apport au bien commun, un domaine bien souvent accusé de tous les maux. Et en 5 ans, en seulement 5 ans, pas moins de 15 types de robots sont nés. La démarche est atypique, car 1, elle va au plus près des utilisateurs. Comme l'aiment à dire les militaires, souple, félin, manœuvrier, nous nous adaptons très rapidement aux demandes de nos clients. Aussi, cette approche très étroite des utilisateurs, très étroite instaurée dès le départ, va permettre à l'utilisateur d'adopter très rapidement et sans encombre le robot, car il aura été conçu avec lui. Troisièmement, nos robots sont modulables à l'infini, tels des couteaux suisses. Et comme les Legos de vos enfants, vous pouvez changer les modules mission à l'infini. Pour transporter du matériel, éteindre un feu, brancarder un blessé, fournir une assistance respiratoire, déminer des modules mission à l'infini. Et quatrièmement, ce robot doit être facilement utilisable, car nos utilisateurs ne sont pas des roboticiens. Et vous-même, après une brève formation, serez tout à fait capable de piloter un de nos robots. Et c'est ainsi que notre robot Colossus a été le fruit d'une co-construction avec les pompiers de Paris. Un véritable dialogue s'est mis en place depuis ce moment. Un cercle vertueux pour innover au plus près des besoins opérationnels. S'en est suivie la création du robot Atrax, qui sert aujourd'hui auprès des forces spéciales. Le robot de décontamination RhinoProtect, qui a permis de lutter contre le Covid-19. Je peux aussi vous citer tous les robots qui servent aujourd'hui dans le nucléaire, évoluant dans des milieux radioactifs. Une robotique utile, au service de l'homme, qui comptabilise chaque semaine pas moins de 15 interventions. Si aujourd'hui, il ne fait plus aucun doute sur lequel la robotique puisse venir en aide efficacement à l'humain dans des environnements à risque. Utile, la robotique prend alors tout son sens. Elle devient alors vectrice de progrès économique, sociétal et environnemental. L'étape suivante nous emmène désormais vers l'aventure spatiale, un nouvel environnement extrême, nous plongeant immédiatement la tête dans les étoiles. Alors, on peut dépendre des robots et ne plus pouvoir s'en passer, mais si ce n'était pas pour la bonne cause.